but! Up here. After this jump, it's such a relief to finally be over with it, because we've been planning it for 8 months now and we've been preparing it for like 1 month and a half. So now it's such a big relief. I can finally chill for a bit, but wow, I'm so grateful for everyone that came and to be not injured and to be fine right now. Today, one of the biggest challenges was the wind, because there were like some powerful wind gusts, like up to 50 kilometers per hour. So we had to find the right moment to jump. And yeah, second biggest challenge was actually to say the first three, two, one of the countdown, because once you start it, it's no coming back. You have to jump. The jump felt way higher than I thought it was. I planned something like the whole jump, my movement and stuff, everything. But then I was almost done with all the movement I planned, and I was still like 25 meters over the water. So it was it felt way bigger than I thought. So I just my body took over, and thank you for my preparation, because I could handle it, and my body was prepared properly. Ça fait 8 mois qu'on bosse sur ce record du monde. C'était beaucoup de pression. Surtout récemment, on a fait une préparation d'un mois et demi, donc c'était vraiment intense. Ça commençait à être dur de dormir le soir. Donc c'est un énorme soulagement que ce soit enfin fini, que ça s'est passé comme prévu, et que j'ai envie de remercier tout le monde qui sont venus, et c'était incroyable. Moi, les sensations que j'ai vues, je les oublierai jamais. Aujourd'hui, le plus gros challenge, je dirais qu'il y en avait deux, c'était le vent. Il y avait des rafales à pratiquement 50 km/h et ça peut me déséquilibrer en l'air, etc. Donc c'était vraiment compliqué de gérer les rafales et les accalmies, et il a fallu trouver des accalmies pour trouver le bon moment, sauf qu'il fallait aussi que je sois prêt dans ma tête, c'était super compliqué. Et aussi, c'est pas forcément le saut le plus dur, c'est de lancer le compte à rebours, donc 3, 2, 1. Le 3, c'était super dur de le dire, parce qu'une fois que tu dis le 3, en fait, c'est un point de non-retour, et c'est comme si le saut était déjà fait. Il n'y a pas le choix, il faut sauter. Le airtime, c'était normalement le premier Dodds à plus de 3 secondes de airtime. Donc c'était incroyable, c'était beaucoup plus long que ce que j'avais pu imaginer. Le airtime, c'était... J'avais prévu des mouvements, etc. Des mouvements précis, et en fait les mouvements que j'avais prévus, je les ai finis au bout de 20 mètres, et il restait 25 mètres. Donc mon corps, il a pris le dessus. Et heureusement, grâce à la préparation qu'on a fait, hyper intense, tout s'est bien passé et mon corps a eu les réflexes qu'il fallait, mais c'était vraiment un airtime de fou, et la sensation était indescriptible.